La chèvre et le chou, c'est un marché de proximité sur le web avec plus de 9 points de chute dans Montmagny-Lillet et plus de 1000 produits de producteurs locaux. Le centre de distribution est situé au sous-sol du presbytère de Cap-Saint-Ignace. Nous avons rencontré Maxime Laplante, coordonnateur du marché, pour comprendre son fonctionnement et son impact sur la communauté. Le marché de proximité était auparavant le marché Lillet-sur-Terre. Et puis, depuis peu, on a recréé un OBNL et on a changé de nom pour le marché La Chèvre et le Chou, puisque maintenant, le marché est dans les deux MRC, Montmagny et Lillet. L'objectif du marché, en fait, c'est de promouvoir l'achat local, donc de permettre aux gens des deux territoires, de la MRC de Montmagny et de Lillet, d'avoir accès aux produits des producteurs qui sont partout sur la région. C'est un marché en ligne, donc les gens vont sur notre site web et ont accès à tous les producteurs qui sont sur le territoire, qui font partie de notre regroupement. Et puis, ils peuvent faire vraiment littéralement une épicerie en ligne et se faire livrer les produits dans un point de chute qui est près de chez eux pour éviter de faire le tour de tous les producteurs sur quand même un territoire qui est très long. Donc, ils peuvent vraiment concentrer leur achat tout sur notre plateforme et les produits sont livrés dans un des 8 points de chute qui est vraiment sur le territoire, donc à côté de chez eux. Je suis aussi un consommateur et un client bien sûr régulier de notre marché virtuel, La Chèvre et le Chou. Et donc, je trouve ça évidemment très pratique de pouvoir commander quand je le veux, quand je le peux, quand j'ai un peu de temps pour le faire. Moi, j'ai du recul depuis 20 ans dans ma région et à Cap-Saint-Ignace particulièrement. Et j'ai vu vraiment un engouement croissant pour les marchés publics, les marchés locaux. Il y a une vingtaine d'années, ça n'existait pratiquement pas dans notre région. Ça existait dans les grandes villes du Québec. Mais j'ai vu peu à peu cet intérêt à la fois des consommateurs et également un intérêt de la part des petits producteurs qui voyaient une mise en marché supplémentaire et surtout peut-être l'avantage d'avoir le contact direct avec les consommateurs. Salut monsieur, ça va bien toi? Pour les producteurs, le marché La Chèvre et le Chou, c'est pour eux une deuxième alternative de vente, en fait. Donc, pour les producteurs qui n'ont pas de site Internet ou que c'est des distributeurs avec des vraiment larges réseaux, mais qui veulent quand même vendre sur leur territoire. Les producteurs, en fait, avaient le choix sur des modes de distribution traditionnels, soit dans la grande, petite et moyenne distribution, on va dire comme ça les enseignes, les boutiques classiques, directes. Et également, il y avait bien entendu la possibilité de faire parfois de la vente dans des marchés. La difficulté pour les producteurs, souvent, c'est une question de moyens et de temps qui sont complètement associés. D'ailleurs, ils n'avaient jamais le temps véritablement de pouvoir y consacrer à ce nouveau mode de distribution. Pas de moyens non plus, parce que laisser quelqu'un, payer quelqu'un pour attendre des clients sur un marché, c'est quand même assez coûteux. Donc l'intelligence de ces marchés regroupés, que ce soit virtuel ou même en direct, c'est justement de permettre aux producteurs de ne pas se payer un service de communication, un service de web, et de pouvoir mutualiser au fond ces activités-là, qui leur coûtent moins cher et qui sont mieux faites à grande échelle d'ailleurs. Parce que si chacun fait son propre mode de marketing, de distribution, ben, ça risque d'être un peu inégal. Alors que la bonne formule, je pense, c'est ça, c'est des gens qui sont vraiment professionnels dans la mise en marché avec ce mode de distribution, des boutiques virtuelles. Et tous les producteurs peuvent, au fond, s'y associer sans dépenser ou investir dans les structures. Donc, pour devenir producteur sur le marché, il y a un frais d'adhésion de 50 $ qui est simplement significatif, en fait, là. Et à partir de là, ils peuvent vraiment vendre les produits directement sur notre plateforme. Et c'est eux-mêmes qui gèrent leur inventaire. Ce qui est disponible, c'est des produits saisonniers. Quand c'est disponible, ils les mettent, ils ajustent toutes leurs ventes par eux-mêmes. Idéalement, on demande aux producteurs qu'ils soient actifs à l'année. Par contre, pour des producteurs qui ont des produits saisonniers, on comprend bien que pour un maraîcher rendu au mois de mars, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il peut se mettre inactif pendant une certaine période de l'année.
Pour faire une commande sur le site, donc vous tapez www.lachèvreetlechou.ca. Vous devez aller dans « S'inscrire ». Ça prend vraiment une seule minute et c'est complètement gratuit. Une fois arrivé, donc pour le magasinage, vous avez deux façons de magasiner. Soit par producteur, donc vous cliquez sur « Producteur » et là, vous allez avoir toute la liste de nos producteurs qui sont ici, donc avec le commerce qui est en dessous. Donc, si vous voulez vraiment magasiner par producteur, vous sélectionnez le producteur qui vous intéresse. Vous avez vraiment toute l'information sur le producteur, donc où il est, qu'est-ce qu'il fait comme produit. Et juste en bas de ça, vous allez cliquer sur « Découvrir tous les produits de ce producteur ». Et là, vous allez vraiment avoir tout ce que ce producteur-là offre et vous pouvez directement ajouter au panier. Et si vous voulez vraiment de l'information sur le produit, au lieu d'ajouter au panier, vous allez vraiment cliquer sur le produit. Et là, vous voyez la fiche du produit qui apparaît, donc avec les informations. Puis d'ici, vous pouvez l'ajouter au panier. Pour le producteur qui a moins d'alternatives de vente, donc qui n'a pas de site web, qui est un petit peu moins représenté sur Internet ou qui n'a pas de réseau de distribution, c'est effectivement un plus. Donc, on peut avoir un producteur quand même qui est un producteur qui vend énormément, qui fait sa vie avec ce qu'il vend, ou un producteur qui est un petit peu plus vraiment un producteur qui a une entreprise, mais un à côté, si on veut, donc qui ne veut pas nécessairement développer un site web qui coûte cher ou avoir justement des camions de livraison ou faire affaire avec un distributeur. Donc, lui, il met les produits qu'il a de disponibles en ligne. Donc, ça peut être une quantité moins grosse et il va venir nous livrer ça. Donc, il ne perd absolument rien à faire affaire avec le marché. Le producteur est responsable lui-même d'avoir ses permis de production, transformation. Nous, on est vraiment sur la distribution. Donc, les produits ne restent pas ici. C'est vraiment juste un endroit où on les prend et on les redistribue dans les points de chute. Les marchés en ligne, ça commence à se développer un petit peu. Je vous dirais qu'il y en a à quelques endroits au Québec. Par contre, on commence à, disons que nous, on a un peu révolutionné, rehaussé le niveau, en fait, en faisant notre site Internet par nous-mêmes, qui a justement l'accès client, l'accès à la coordination, l'accès aux producteurs eux-mêmes. Et nous, on veut vraiment mettre de l'avant les producteurs. Donc, les produits, oui, mais surtout les producteurs. Quand j'achète un excellent pain, bien sûr, je peux le commander sur le site, mais je n'ai pas l'odeur. Donc, de temps en temps, ça me prend aussi un contact direct pour aller rencontrer le producteur dans sa boutique. Mais je crois que ces moyens sont vraiment complémentaires. Il ne faut pas voir un moyen qui va remplacer totalement l'autre. C'est simplement une palette de distribution un petit peu plus élargie. Mais c'est vrai que je crois que c'est un mouvement qui est en pleine croissance, à la fois de consommer local, mais de se servir des moyens aussi techniques, modernes, pour accéder aux consommateurs qui se servent aujourd'hui d'un téléphone pour consommer, pour acheter et pour payer. Pour les clients peuvent être de n'importe où. Seul truc, c'est que nous, on a des points de chute, donc sur nos territoires. Par contre, je sais très bien que j'ai des clients qui sont dans le Kamouraska, qui vont se rendre, exemple, à Sainte-Louise, à Saint-Roch-des-Aunais. Et de l'autre côté, vers l'ouest, on a des clients qui sont plus dans Bellechasse puis qui vont venir chercher leurs commandes à Montmagny. Donc, vous pouvez être de n'importe où. Par contre, c'est ça, nous, nos points de chute sont vraiment sur notre territoire. C'est pas impossible pour nous, peut-être éventuellement, d'envoyer des commandes un petit peu plus loin. Par contre, il y a toujours les enjeux de conservation, là, donc ce qui est réfrigéré, ce qui est congelé. Pour nous, c'est parfait présentement. On a justement même un camion réfrigéré donc pour faire nos livraisons, là, pour assurer vraiment là, donc, que ce soit bien livré. Mais pour éviter donc justement les enjeux comme ça, plus on envoie loin, plus c'est de la gestion. Là. Donc pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur nos territoires à nous, mais il n'y a rien d'impossible. C'est sûr que ces nouveaux modes de distribution, comme le marché virtuel qu'on connaît nous chez nous, ça a amené, bien entendu, à déjà disposer d'un local. Ça, la première des choses, il faut
tout de même pouvoir avoir un local pour pouvoir disposer des réfrigérateurs, des congélateurs, pour pouvoir stocker minimalement les produits à livrer, et un lieu de rencontre, également toute une organisation. Donc cette organisation est plus simple à mettre en place, je dirais, avec une équipe qui se connaît bien, qui communique bien, parce que si chaque producteur devait faire la même chose, ça serait quand même plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut une bonne organisation. Si ce marché n'était pas bien organisé, ce qui n'est vraiment pas le cas, c'est sûr que les clients s'en désintéresseraient et passeraient à autre chose. Écoute, fière de mon initiative, j'ai fait des petits paquets cette semaine. Ça a marché, fait que j'ai moins de... C'est des paquets, j'en fonds, oui. Je n'ai pas vu, OK, good. Puis là, ben, j'ai moins de commandes, j'ai plus de ventes. Parfait. Fait que je suis contente, puis pour moi, ça a été moins... Moins de job. Moins long. Ben, dans le fond, je les ai faites avant au lieu des fonds après. Good. Tu veux y aller par quel point de chute? Peut-être mon ami. Ce qui est bien, en fait, avec le marché, c'est qu'il n'y a pas de perte, en fait. Donc, tout ce qui est apporté au marché, ici, au centre de distribution, en fait, c'est que ça a déjà vraiment été vendu. Donc, il n'y a pas un article en trop, là. Donc, vraiment, il n'y a aucune perte. Ce qui est apporté ici, nous, on le redistribue et c'est déjà vendu, payé. En fait, ce mode de distribution est également très environnemental parce que les gens qui consomment, ils ne commandent véritablement que ce qu'ils ont envie de consommer. Ils n'ont pas des achats d'impulsion comme ça peut arriver dans la grande distribution où on va stocker tant que on peut en mettre, remplir les frigidaires. Là, c'est un peu différent. Les clients sont très, très, très contents de savoir qu'ils peuvent avoir ces produits-là près de chez eux puis que ça vient de chez eux. Mais autant les producteurs, quand ils viennent nous livrer les produits puis qu'ils ont eu une énorme commande puis qu'ils savent que ça reste vraiment dans le réseau près de chez eux puis que c'est aussi facile de vendre dans le sens qu'eux, ils préparent leurs commandes qui sont souvent des énormes commandes, mais ils vont livrer ça directement à nous et c'est nous qui s'occupons de la répartition. Là, eux, ils sont très heureux aussi. Puis de savoir surtout que ça reste dans leur patelin. Allô, Cathy! Hey, salut, Maxime! Ça va? Oui. Voilà ta commande pour cette Merci. Semaine. Ça Super. Fait plaisir. Des bons œufs frais du jour. Exact. C'est une bonne journée. Bye. C'est sûr que moi, je suis arrivé avec ma famille il y a une vingtaine d'années ici dans la région. Et venant de la France, comme dans d'autres pays d'Europe et d'autres pays du monde d'ailleurs, je m'attendais un peu plus à voir justement des marchés publics, que ce soit ici ou dans les petites villes environnantes. Puis honnêtement, il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des marchés, certes, à Montréal ou à Québec, mais pas dans les petits villages. En réalité, la dimension du marché, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement une dimension d'échange de marchandises, c'est aussi un phénomène culturel. Les gens qui se rencontrent sur les marchés, dans beaucoup de pays du monde, des pays plutôt chauds d'ailleurs en général, sur ces marchés, les gens viennent discuter, viennent parler avec les producteurs. Ce n'est pas seulement l'acte d'achat, tout comme la cuisine n'est pas seulement l'acte de se nourrir, il y a quelque chose de culturel autour de ça et les marchés s'en fait partie. On a remarqué que nos clients sont vraiment très, très, très attachés au marché. Ils ont vraiment une fierté de savoir que le pain qu'ils achètent, c'est le boulanger qu'ils connaissent. Les produits de l'érable, ils connaissent aussi le producteur. Donc, tout est fait dans leur région ou la région voisine. Donc, on sent vraiment un gros, gros, gros sentiment d'appartenance, là. Non seulement la chèvre et le chou, c'est un marché de proximité sur le web, mais aussi un lieu d'échange avec le producteur et le consommateur. Elle apporte l'appui technique de distribution pour les producteurs et une visibilité pour ce qui se produit localement dans sa communauté, tout en suivant l'évolution technologique des marchés.